Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et oui, on est sur Ragnablock. Je sais que je vous avais annoncé la fin de Ragnablock la semaine passée, mais là on est sur un épisode de Ragnablock. On est le samedi et je vous avoue que je sais pas si je vais mettre quelque chose le dimanche. Je sais pas encore parce que je tourne le vendredi soir très tard, hein, c'est 1h48 du matin. Donc ça va être un épisode, je pense, très court. Parce qu'il va falloir qu'ils sortent le samedi. Hein. Et pour le dimanche, eh ben, je ne sais pas. Soit j'ai une autre idée, soit il n'y aura pas. C'est la surprise, même pour moi. Voilà. Le petit F1, le petit F5, on va attaquer tout de suite. On va mettre l'armure. Je vais faire un petit camp. Hein, un petit camp, pas de raiders, de survivants. Simplement. Donc j'ai prévu, vous voyez, hein, j'ai prévu des petites choses jolies. Donc on va voir, on va faire un petit camp de survivants comme ça. J'ai eu envie. Tac. Alors on va partir d'un point central. Voilà. Alors, attendez. Tac. Voilà. Ah oui, mais le truc est pareil. Non, ouais, au contraire. Oh putain. C'est moi qui me gourre. Tac. Tac. Voilà. On va tenter de faire un camp fort sympathique. Je vois le soleil qui se couche. On va aller se coucher dans le moulin, les amis. Il y a le compte spectateur de vidéo qui est connecté, mais les comptes spectateurs, ça n'affecte pas justement les dodos. Hop, voilà. Voilà. Avant que ça spawn, avant qu'on se prenne un creeper par la gueule. Juste quelques trucs à vous faire voir. J'ai mis les cacaos. Regardez, ça fait un petit arbre. J'ai fait un petit arbre comme ça. Et j'ai mis les cacaos un petit peu ben là pour que ce soit surtout anti-spawn. Là et là-bas. Et là-haut. Voilà. J'ai aussi arrangé vers le camp de Raiders. Je vais vous montrer avant qu'on continue notre petit camp à nous. J'ai aussi mis vers le camp de Raiders. Plouf, voilà. Les verrues du Nether de façon à ce qu'elles aient poussé naturellement, on va dire. Hein. C'est bah avec les radiations, les verrues ont poussé comme ça, naturellement. C'est voilà, c'est des plantes bizarres qui ont poussé naturellement avec les radiations sur cette terre un peu grisâtre. Voilà, donc près du camp des Raiders, les verrues. Qui sont comme un peu des herbes folles. Voilà, je cherchais le mot. Je voulais éclairer toute la zone, mais c'est vraiment, vraiment immense, les amis. Et il aurait fallu qu'on s'y prenne bah, à plusieurs et tôt pour trouver un pattern pour éclairer toute la zone. Donc, ça restera comme ça. Donc, voilà, les amis. En gros, alors attendez, ce qu'on va faire, tac, tac, merde, hi, ça marche pas comme ça. Parce que si je fais comme ça, après, Marxi, je peux le remettre derrière. Ah merde, j'ai enlevé le mauvais. Voilà, et on peut refaire un de plus. Hop là. Voilà. Ensuite, tac.
Tac. Ici. Hop. Tac. Là. On va les poser simplement là où on sait que ça va toucher. Donc sur le premier et sur le dernier. Hop. On va mettre aussi deux couchettes parce que vous voyez que j'ai pris un et deux, hein, l'homme et la femme, tout simplement. Donc on va mettre deux couchettes. Alors attendez, hop, hop, hop. Est-ce qu'on met une grosse couchette? Allez, une grosse couchette, hein, c'est l'homme et la femme. Après tout, on peut même se servir de l'établi pour poser là. Tac, en plus, ça fait avec le tiroir. Bon, là, on voit qu'il y a les outils, mais bon, ça peut être legit, hein, vous voyez, c'est un petit campement de fortune. Ensuite, hop, attendez. Hop. Est-ce qu'on peut mettre, alors attendez, je vais voir si on peut le mettre contre. Ouais, donc j'aurais pu allumer le feu, vous savez ce que je veux faire, hein, les amis. Vous avez compris quelle est ma démarche? Bon, alors attendez, on va le défaire. Hop là. Voilà. Et là, on va tout simplement remettre. Hop. L'eau. L'olaï, n'est-ce pas? Voilà. Et hop. La tête de poisson qui cuit. On va tenter de la mettre couchée. On sneak. Voilà. Penché, pas couché, penché. Voilà. On va mettre les habitants. Donc, hop, un haut, une jambière, une botte. Enfin, les habitants. Le couple. Voilà, titali-toto, bottes, haut et jambière, et bien sûr la tête de notre survivante. Voilà. Donc, il faut que je fasse, j'avais tout prévu les amis, il faut que je fasse l'armor stand pour le copain de madame. Voilà. On peut le mettre là. Ils sont en train de se réchauffer, tout simplement, peut-être. Ou alors, attendez. On pourrait le mettre. Ah, putain. Un truc que j'ai pas prévu. Et pourtant, j'y ai pensé. J'y ai pensé, les amis. Mais je ne l'ai pas prévu. Attendez, hop, hop,
Hop, on va vite faire un tour dans notre camp de raiders. On plonge sauvagement dans les eaux. On remonte. Hop. Non. Il doit y en avoir dans les outils, il me semble. Hein. Ouais, ça suffira. On va en prendre une. Elle est en quoi? Elle est en bois, non? Ça suffira. De toute façon, je ne vais pas mettre 50 millions de trucs. Hop. On va y retourner. Un tout petit épisode, hein, les amis. Hop, 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 hop. Alors, je vais voir s'il s'upload vite. Déjà, à combien il sera. Et s'il s'upload vite, je ferai peut-être un deuxième épisode que. Que je vous livrerai. On va le mettre autour aussi. Pas assez de terre pour faire un quoique allez voir tac voilà là il suffit qu'on prenne. Hop, juste ça, pas plus. Tac, voilà. On prend notre houe. Et on plante aléatoirement. Aléatoirement. Hop, voilà, on calcule pas comme on plante. Non, merde. Si. Non, faut les graines. Oh putain, Fred. Non, on ne ramasse pas les graines comme ça. Fred, 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 Fred. Et j'en ai pas assez pour faire une moto. Lolo. Veuillez me frapper. Non, mais j'ai pris machinalement dans les coffres comme ça, sans réfléchir, et du coup, j'ai couillonné, je vais en cueillir, attendez. On va d'abord dormir avant que ça spawn. Je vais en prendre dans le champ là. Dans le champ qui est derrière. Je vous l'ai dit, hein, c'est presque 2 h du mat, les amis. Non, mais. J'ai travaillé toute la journée. Enfin, toute l'après-midi, pour être plus précis. Donc, soyez clément. On va garder juste les patates. Descendre de là. Tac. Voilà. C'est mieux. Voilà. Allez, il m'en reste une pour pas la conserver. On va la mettre là.
Et justement, notre ami, est-ce que je l'ai construit son... Oui, mais je l'ai... Non, je ne l'ai pas posé. Oui, il est là. Notre ami, donc c'est une tête de Rico, hein, Rico qui faisait partie des raisonnables. Tech. Qu'on peut mettre ici tout simplement. Enfin, il va récolter pour agrémenter le plat, hein, pendant que Madame surveille la cuisson du poisson. Voilà. Tout simplement. Il nous reste quoi? Il nous reste ça. Je voulais en placer un petit peu sous l'eau pour que ça fasse cheat. Mais est-ce que ça fera cheat? J'espère. En tout cas, ça fait cheat. Oh, regardez, quand on regarde sous l'eau, n'empêche, on peut voir. Oh, non. Trop proche. Voilà un petit camp survivant. Tranquillou. Hop, on peut d'ailleurs. Tac. Hop. Mettre un petit peu de paille. Voilà. Ils s'en servent peut-être de combustible pour alimenter leur bouilloire. Voilà, quand je vous disais que c'était un court épisode, nous en sommes à 17 minutes 50. On va essayer de durer un petit peu plus, hein, les amis. Je ne vous le cache pas. Hop, on peut mettre ici une caisse avec une lampe. On peut mettre ici une autre caisse. Ah merde, elles sont tenues. Attendez. Est tenue par le truc et elle. Pareil, on va les décaler un peu. Voilà. Avec une lampe. Et ici, entre, on peut mettre une autre caisse. Pourquoi pas? Ça peut être assez sympathique. En tout cas, voilà notre petit camp. De fortune de survivants au bord de l'eau. Pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? $19,50. Je regarde le temps de. Pour pas non plus vous faire un épisode trop court, mais je pense que. Ben là, voilà, hein, c'est ce que j'avais prévu de faire et j'ai fait ce que j'avais prévu, en gros.
Donc, que faire de plus? Je ne le sais. Je ne le sais pas, comme dirait notre ami Johnny Crane. Voilà. Hop, on va mettre des lampes comme ça. Parce que c'est fun. En tout cas, ben voilà, hop là. Court épisode, mais bon, Ragnablock touche à sa fin. On arrive à la fin du projet, enfin, on est à la fin du projet. Tout ceci n'est qu'un plus pour le projet. Donc on est à la fin du projet qui était Mégatonne, que l'on voit au loin là-bas. Et tout ceci n'est qu'un plus pour le projet. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié aux gars. Et à très très bientôt. Bye bye.